bienvenue chez vous. Bonjour Emeline. Bonjour Pascal. Alors, tu nous reçois aujourd'hui pour nous parler de ton prochain concert. Exactement. Le concert qui va se passer le 9 juin à 19h dans la jolie salle du bateau théâtre Le Nez Rouge de Gérald Dow, qui a la gentillesse de m'accueillir d'ailleurs. Alors, tu seras avec ton groupe complet ? Oui, tous voilà. Les musiciens. Tous les musiciens, ça va rentrer sur la péniche ? On va les pousser. On va les pousser, ce n'est pas grand. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le quai de l'Oise. Tu as déjà fait la télé du Nez Rouge. J'ai fait la télé du Nez Rouge. Belle expérience, avec un très très beau plateau d'artistes et surtout une marraine. Ah, une marraine ? Ah, on ne peut pas rêver mieux. Fabienne Thibault, bien évidemment, la marraine. Et il y a un petit lien entre toi et elle. Et oui, alors le petit lien tout juste, c'est Starmania, parce qu'elle, bien sûr, elle a eu cette chance de faire partie de, cette grosse production et d'avoir le rôle de Marie-Jeanne. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une petite production bien sympathique au Canada, au Québec, et qui s'est jouée après au Kinopéra à Paris, en face de l'Olympia, et d'avoir également le rôle de Marie-Jeanne, et tout ça pendant 3 ans. Alors, on va trouver quoi sur ce concert ? Ah, alors on va trouver un univers, c'est-à-dire un petit peu mon univers. Donc c'est un concept de rock avec des fois une connotation celtique, avec des chansons un petit peu revendicatrices par rapport à ce qui se passe dans le monde, comme un titre qui s'appelle « Pourquoi faire la guerre ?» ou « Les remparts de Sainte-Hélène ». Et puis on va aller aussi dans un monde onirique, où ça se passe en Irlande, sur une plaine, la plaine des Loups. On va découvrir la chanson Auckland ou la chanson L'Elfe du Temps, et qui d'ailleurs, si vous avez une âme pure, vous pourrez le voir et puis il pourra vous entraîner lui aussi dans son monde. Mais attention, hein, faut avoir l'âme et le cœur pur. Alors, Le Nez Rouge, c'est une péniche de Gérald Dahan. Tout à fait. C'est lui qui t'accueille. Et c'est lui qui m'accueille. Il a la gentillesse d'avoir écouter et d'avoir bien voulu qu'on se produise. Et c'est notre toute première scène, c'est ça, faut le dire, avec nos musiciens, oui, sur Paris. On a déjà fait des scènes dans le sud, dans la région, voilà, mais jamais sur Paris. Donc c'est un gros challenge. Un gros challenge. Ouais. Alors il faut venir nombreux. Hein. Oui. Il y a 100 places, alors on peut, oui, les remplir. Hein. Oui, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Je vais parler à mes anges. Alors Gérald, t'as fait un compliment. Ah oui, à la soirée de la télé, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que déjà, je ne m'y attendais pas du tout. Faut dire que j'avais énormément de trac. Donc bref, et à la fin, quand j'ai terminé ma chanson, Gérald a dit que je lui faisais penser à une chanteuse qui se prénomme Diane Dufresne. Et pour moi, c'est un très, très, très beau compliment, parce que j'ai été découvrir cette chanteuse. Et franchement, voilà, je dis aux gens, si vous ne la connaissez pas, allez découvrir. Donc, elle n'est pas toute jeune. Bah non, c'était ma jeunesse aussi. Mais franchement, je crois qu'on ne peut pas me faire plus beau compliment que de me comparer à cette grande dame. Eh ben écoute. Et puis pour Gérald, je peux lui dédier une petite chanson, pour qui, pourquoi, voilà. Eh ben on va la mettre. Et puis on se dit au revoir pour le premier épisode. D'accord, bye bye. Allez. Restez sous ta couette, c'est ça qui est chouette. Restez sous ta couette. Restez sous ta couette, c'est ça qui est chouette. Sous ta couette, sous ta couette. Restez sous ta couette, c'est ça qui est chouette. Restez sous ta couette.